Coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec un haul vintage. Donc en fait c'est des vêtements que j'ai récupérés chez ma mère et qui datent de plus de 25 ans. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Donc pour commencer, on a ce joli top en soie couleur rose pâle. Alors regardez les filles, le détail, franchement j'adore, les broderies, tout est parfait. Alors le top est un peu grand comme vous pouvez le voir, donc j'hésite encore si je dois le faire tenir ou pas, parce que j'ai peur que ça me gâche en fait le modèle finalement. Donc ici quand je rajoute une veste par contre, ça donne très 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 bien, donc on ne se doute de rien et j'aime bien comment ça tombe le bas et tout. Donc dites-moi si je dois quand même rétrécir un tout petit peu, parce que le seul bémol c'est en fait les manches, les cordes qui peuvent descendre. Mais sinon, à part ça, moi honnêtement ça ne me dérange pas de le porter grand, même sans veste. Mais c'est juste que si les manches descendent, c'est un peu chaud quoi. Donc voilà les filles, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si je dois le récupérer, si je dois le faire tenir ou pas. Donc ici, c'est encore le même top, mais c'est pas ça que je vais vous présenter. Ici, je vais vous présenter cette tunique. Donc quand je l'ai récupérée, ma mère m'a dit, non, c'est pour dormir, c'est la nuit. Je lui ai dit, maman, non, aujourd'hui, les pyjamas comme ça, on porte plus à la nuit. On sort avec, c'est la mode, tracasse. Donc voilà, regardez les filles, qui va dormir avec ça? C'est trop beau, regardez-moi ce joli kimono en soie aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à part admirer l'art en fait? J'adore, franchement j'adore. Et bien sûr les autres, ce que je ne vous présente pas, ce sont mes vêtements à moi. Donc le short ici, il est à moi. Et voilà, donc le troisième vêtement, c'est cette robe. Alors cette robe, je l'aime beaucoup, mais il y avait beaucoup de problèmes sur cette robe parce qu'elle était très grosse. Donc on l'a récupérée un petit peu, on l'a rattrapée et tout. Mais je trouve que la couturière n'a pas bien fait son travail, donc je vais encore repartir. Parce qu'il y a encore des détails que, à régler. Mais sinon, pareil, j'adore les motifs, le tissu. En fait, c'est vraiment les tissus, la qualité des tissus qui me voilà quoi. Il y a rien à dire quoi. Parfait. Franchement, parfait. 25 ans plus tard. Et ici, c'est le top en fait que je vous présente. Donc là, c'est mon pantalon. C'est un pantalon qui a été cousu en fait. Je ne l'ai pas acheté. C'était un tissu qu'on a donné chez le couturier. Et ici, ce top-ci, je l'ai déjà porté, en fait, bon, je vous parle du top, mais je m'en mets pied. Mais le top, en fait, je l'ai déjà porté dans une vidéo précédente, en fait, la vidéo où je vous montrais comment blanchir les aisselles. Donc, il est aussi en soie, pareil, regardez la qualité, la matière, franchement, c'est trop cool. Et ce top-ci, on l'a mis à ma taille, en fait. Donc, et enfin... Donc je disais, le meilleur pour la fin, ce pull. Regardez-moi ce pull, les filles. Regardez-moi ce pull. Franchement, j'ai trop d'émotions, quoi. La couleur, les motifs, la coupe, tout est parfait. L'épaisseur, le pull est très lourd. Franchement, à l'époque, il y avait de très beaux vêtements, de très belles matières, de très belles coupes. Maintenant, ce qu'on nous vend, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça, il n'y a pas plus vintage que ça. J'adore ce pull. On n'est pas encore en hiver, mais franchement, il fallait absolument que je vous montre ça dans ce haul-ci parce que je kiffe ce pull. Il est trop beau. Il est trop beau. Regardez, on peut tout faire avec, on peut jouer avec. Je n'avais même plus envie de l'enlever tellement, tellement il était beau, quoi. Donc voilà. Donc voilà les filles, le haul est terminé, comme on dit, toute bonne chose a une fin, et ben c'est comme ça, hein. Donc dites-moi en commentaire le vêtement qui vous a le plus plu en fait, et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, je pourrais vous en faire très prochainement. Sur ce, à très bientôt, bye!